Monsieur le Président, sans reprendre l'excellente argumentation de mon collègue Reda, simplement revenir sur la question de la pertinence de ce seuil de 40 000 habitants. En réalité, le travail d'un directeur général des services dans une collectivité de plus de 40 000 habitants et de celui d'un directeur général des services dans une collectivité de plus de 10 000 habitants n'est pas tout à fait le même. Et c'est finalement, à mon avis, plus pertinent d'imaginer que ce soit le DGS d'une collectivité de plus de 10 000 habitants qui a des vraies fonctions dans la mise en œuvre d'un projet municipal, dans l'opérationnel du projet politique au sens noble du terme, qui puisse être recruté de façon contractuelle, plutôt que celui d'une collectivité de 40 000 habitants qui a déjà une masse de fonctionnaires à gérer, qui a de l'espace pour avoir des collaborateurs de projet en nombre un peu plus important que dans une collectivité de 10 000 habitants. Donc il me semble intéressant que cette souplesse, elle concerne finalement prioritairement des communes de taille intermédiaire entre 10 et 40 000 habitants plutôt qu'au-delà de 40 000 habitants. D'ailleurs, j'aurais peut-être même tendance à considérer que dans des collectivités plus grandes, au-delà de 40 000 habitants ou même bien plus, le statut de fonctionnaire n'a pas vraiment de raison d'être remis en cause parce qu'il y a déjà suffisamment de souplesse dans les emplois de cabinet, dans les emplois de chargé de mission, que les petites collectivités entre 10 et 40 000 habitants ne peuvent généralement pas mobiliser.